Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Quinzel Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Oh mon dieu, mais j'ai trop mal dormi cette nuit. C'était vraiment une nuit genre trop bizarre, je me suis sentie trop bizarre. Bon, je vais aller voir mes parents, je vais leur dire. Ça se fait, il y a un psychopathe dans le coin. Salut papa. Salut. Salut maman. Ah, coucou ma chérie. Vite voir, il n'y avait pas quelqu'un chez nous cette nuit parce que c'était trop bizarre. Je me suis sentie très observée cette nuit pendant que je dormais. Bon. Ouais. Non. Et personne? Bah, je écoute, c'est normal de faire des cauchemars à ton âge. C'est normal, mais, hein, moi aussi j'en faisais. Mais c'était pas un cauchemar, je me suis vraiment réveillée plusieurs fois, il y avait des bruits dans ma chambre. Après aussi, le truc c'est que si tu regardes des films d'horreur, c'est normal que tu fais des cauchemars, hein, que tu fasses des cauchemars, hein, c'est compréhensible. Hein, c'est vrai. Mais moi je regarde pas de films d'horreur, j'aime pas ça. Si, tu te regardes tous les jours dans la glace. Ah, c'est pas cool ça, papa. Oui, je te le dis. C'est beau. On sait très bien que t'as regardé Annabelle hier soir. Oui. Vous arrêtez de me fliquer là avec votre contrôle parental, là c'est bon. Attends, après tu te plains que tu fais des cauchemars. Arrête de te plaindre alors. Mais c'était pas un cauchemar, je me suis réveillée, même que je me suis pincé le coude pour savoir si c'était vrai ce qui se passait et j'étais réveillée, d'accord. Donc en fait, je vais te dire deux choses. C'est soit t'as fait un cauchemar, soit t'es parano. Il y a aucune alors, autre solution. C'est une hallucination, en fait. Ma chérie, hein, parce que ça c'est pas possible. Ouais, bah, si vous me croyez pas, c'est pas grave, j'ai trouvé moi-même c'est qui est coupable, d'accord. Bah, j'ai hâte de voir ça. Ouais. C'est plaisir, hein. Oui, papa, je peux avoir 50 euros pour une caméra, s'il te plaît. Ouais, vas-y, vu que t'es parano, tiens. Ah, merci. Merci, papa. Mais tu vois, ma chérie, ce sera un achat inutile, hein. Il y aura rien dans la caméra. Au pire, je ferai des vidéos pour YouTube après, avec la caméra, donc c'est pas grave, c'est un bon investissement. Je vais faire comme Studio Bubble Tea. Puis où je vais recevoir plein de cadeaux, et je vais ouvrir tous les cadeaux dans les vidéos, et comme ça, bah, j'aurai plein d'abonnés. Fille, ouais. Un conseil. Oui, mais il faut déjà avoir beaucoup d'abonnés, comment tu vas faire pour les gagner? Bah, je sais pas, je vais demander à Lego, à My Little Pony, m'envoyer des cadeaux. Mais c'est pas toi qui t'as demandé, c'est eux qui doivent te demander, ma chérie. Hein. Mais vous êtes en train de gâcher tous mes rêves. C'est bon, je m'en vais, je vais acheter ma caméra. Ma petite. Quoi? Tu feras tes vidéos. Une seule règle. Ouais. Ouais, il y a une seule règle. Alors, tu es là pour travailler et non pour t'amuser, c'est clair? Ouais, d'accord papa, trop cool, je vais pouvoir faire des vidéos, je vais aller m'acheter ma première caméra, je vais devenir youtubeuse. Oh c'est bon, j'ai acheté la caméra. Ah, je suis essoufflée, hein. Je vais la poser là-haut, hop. What? Ok. Ils ont trouvé une cachette secrète, c'est pas grave. Je mets la caméra ici, hop. Et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée quand même. Allez. Ah, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Éteindre la lumière d'abord, parce que c'est pas Versailles ici. Faut pas me faire engueuler par papa et maman. Hey, bonne nuit. J'ai encore eu une sensation bizarre cette nuit, mais bon, au moins j'ai mis ma caméra, elle est en haut là, et puis je vais regarder, il y a tout qui a été enregistré sur mon téléphone, je vais regarder. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pourquoi? Genre à 3h du matin, il y a mon père qui est rentré dans ma chambre, et il est resté pendant 1h jusqu'à 4h du matin à me regarder dans mon lit, mais il est trop bizarre. Non mais là il est obligé de me croire, j'ai la preuve et je l'ai tout enregistré, je vais lui montrer.
Salut papa et salut maman. Oui. Ah, coucou ma chérie. Ouais, je voulais te dire, papa, c'est toi qui es rentré dans ma chambre cette nuit. Ah non. Comment ça, bah non. T'es pas, tu t'es non, pas levé, genre. De toute façon, tu n'as aucune preuve. Et en plus. Moi, j'ai pas de preuve. Regarde, regarde, papa. Regarde, maman. Je vais vous montrer là. Ma... C'est l'enregistrement. C'est ridicule, pourquoi on ferait ça? Bah regarde, il là regarde, hop, ah bah là tu vois il est en train d'entrer dans ma chambre et il se met devant mon lit et puis il me regarde pendant une heure. T'as vu ça papa? Trop beau ton montage, hein. Oh là là ma fille. Mais c'est pas un montage, qu'est-ce que tu racontes? Je sais même pas encore faire de montage. Je suis fière de toi. Mais une fois que tu arrives à faire quelque chose, je et quoi vous... Non mais vous me croyez pas? C'est beau. Ah non on te croit pas, t'as cru quoi toi? Les poules avaient des dents ou quoi? Ben, ça, c'est enfin, le... Maintenant, en 2021, les enfants, ils savent vraiment faire beaucoup de choses. Hein. Non, mais ça, c'est le... Qu'ils enregistrent tout. Et que s'il se passe encore un truc cette nuit, je vous préviens, vous êtes enregistrés, d'accord? Pour ma gamine. Mais oui, ouais. Mais c'est du montage, ma chérie. On le sait très bien, ça. Et si tu te casses pas, je vais te faire du jonglage avec du balai. Non, je me barre, c'est bon. Oh. Ouais. J'ai bien dormi, je vais ouvrir les volets. Oh, j'ai fait une bonne nuit de sommeil là. Par contre, où je regarde sur mon téléphone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Parce que c'est trop bizarre. Enfin, j'ai senti un truc bizarre cette nuit, mais j'ai quand même bien dormi. Oh mon dieu, c'est ma mère qui est en train de venir dormir à côté de moi. Mais ils sont trop bizarres, mes parents. Oh, ils sont trop bizarres. Bah, je vais leur dire cette fois-ci deux fois, deux nuits d'affilée. Moi, je dis, s'ils me croivent pas, ben, c'est pas bien. Salut, papa, maman. Petite voix juste comme ça, par hasard. Vous auriez pas quitté votre... Enfin, maman, t'aurais pas quitté ton lit cette nuit? Ah non, ta mère, elle est restée à côté de moi, en fait. Ah ouais? Parce oui, que... Regarde cette vidéo, papa, maman, regardez cette vidéo dessus. Bah, on voit, il y a maman qui vient dans ma chambre et pendant une heure, de 3h à 4h du matin, encore une fois, eh ben, elle se met dans mon lit et elle dort avec moi pendant une heure. En fait, le truc, c'est que ma fille, t'étais tellement, mais tellement bon en montage, c'est waouh, incroyable. Mais c'est pas du montage! Si, c'est du montage, ça se voit. En plus, maman, elle est trop suspecte, elle dit rien, donc moi je dis c'est vrai ça. Parce que maman, elle a juste mal à la gorge, on peut dire, on va rien dire, bon bref. C'est du montage, c'est du montage, ma petite. Ouais, c'est ça, bah vous êtes des parents vraiment bizarres, moi je vous montre des preuves et vous dites c'est du montage, alors que je sais même pas faire du montage, moi j'ai que 9 ans. Bon, je vais... Attends, mais hey, oh, c'est bon. Pas toi, je connais ton métier. Tu seras comédienne. Mais maman, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Non, mais vraiment, de toute façon, tu peux demander à ton père, quoi. Enfin, moi, je suis restée dans la chambre parentale. Tu sais très bien, oui. Je bouge pas la nuit, quoi. En plus, j'ai du mal à me réveiller à cette heure-là, quoi. Vous êtes bizarre, vous. Vous êtes très bizarre. Gamine, c'est toi qui es bizarre, ma chérie. Une preuve que ta mère est restée avec moi au lit. Non, je veux rien savoir. Je m'en vais. Au revoir. Ils sont bizarres. Oh là là. Mais ce soir, je dors pas dans mon lit. C'est pas possible. Je vais aller dormir dans mon dressing. C'est mort. Je vais trouver un sac de couchage. Je vais dormir dans le dressing cette nuit. Ah, c'est bon. Il fait tard là, je vais aller dormir et j'ai mis mon petit sac de couchage dans le dressing. Pour moi, ça me rappelle de moi quand j'étais petite, je me cachais dans le dressing, je me faisais une cabane et tout. C'est trop cool, je vais dormir ici. Ah. En plus, ça sent bon le
la fraîcheur dans mon dressing. Mes vêtements, ils sentent trop bon. Il y a eu des bruits bizarres dans ma chambre cette nuit. Bon, je vais ouvrir le volet là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Oh, il y a de la bouffe, il y a mon petit déjeuner sur le lit, trop cool. Je vais pouvoir manger en regardant la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette... quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mes parents ils sont rentrés dans ma chambre avec une hache? Ils ont mis des coups de hache. Mais c'est vrai qu'en fait ma couette elle est toute déchirée là. Et mon matelas il est dépecé. Mais... mais... non mais... ils ont essayé de me tuer! C'est des assassins, je vais leur dire, moi! Et qu'ils... ils me demandent qu'est-ce qu'ils auront à dire, maintenant. Ouais! Oh, chérie! Ouais, ouais chérie. Faites pas les innocents, là! Papa, tu peux être un aspirateur, là? Ça fait beaucoup de bruit. Oui. Merci. Vous êtes des... Vous avez rien à vous reprocher, là? Non. Bah non, parce qu'on devrait se reprocher... Attention, maman, il te reste des plumes dans les cheveux, des plumes de mon coussin, maman. Non, mais non, c'est les chose. Plumes de mon coussin. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, aujourd'hui, c'est un peu bougé dans le lit, c'est normal. Bref, continue. Vous avez essayé de m'assassiner cette nuit, j'ai des preuves. Mais comment on aurait pu... enfin, comment est-ce qu'on aurait pu t'assassiner, chérie? On t'aime tellement pour ça, c'est pas possible. Mais regardez sur la vidéo, encore une fois, entre 3h et 4h du matin, vous êtes rentrée dans ma chambre et vous avez essayé de me tuer. Avec des armes. Non mais vraiment, chérie, là, vraiment, le montage, faut arrêter. Ouais. Vraiment, c'est pas drôle. Il me présente tellement bien. C'est ouf. C'est pas un montage. Comment, bien fait. Mais c'est pas un montage. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Attends, tu m'envoies la vidéo, il faut que je le montre à mes collègues. Non mais vous me prenez pas au sérieux. Vous êtes pas des bons parents. Aussi. Non mais clairement, franchement, chérie, c'est vraiment tout plus drôle ta blague là. Ça fait 3 jours d'affilée maintenant. Faut se calmer. Hein. Ouais et puis et mon lit déchiqueté là dans ma chambre, c'est quoi? C'est moi peut-être? Non, non mais ça si. C'est le chat. C'est le chat. Et faute, on a même pas si de chat. Un clébard. Mais tu mais es si, un clébard. On a un chat. Pareil. Tu manges tout ce qu'il y a. Ouais c'est oui. Ça ouais. C'est vrai qu'on t'avait pas donné de... on t'avait pas nourri hier. Peut-être que c'est ton instinct animal, tu sais. Voilà. Écoute, ouais, c'est ça. Bon, je vais aller... ouais, c'est ça. Je vais aller me promener. Et en attendant, je me promène. Réfléchissez bien ce que vous venez de faire, là. Punie, chérie. Quoi? Parce que là... oui, t'es punie. Pour tes montages, là, c'est pas drôle. Donc maintenant, tu es punie. Mais il y a 2 minutes, t'avais bien aimé. Oh, c'est... ouais, oui. C'est... mais c'est pas drôle quand même. Dégage. Moi, okay. Je te dégage. Je vais aller me promener. Je vais prendre l'air. Oh, tu... je vais prendre l'air. Oh, on t'a dit. Non, vous allez me tuer non. Encore. Assassiné. Il faut vraiment qu'il m'aide ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, bien, en fait, c'est bien parce que mes parents, ils ont tenté de m'assassiner. Comment ça, ils ont essayé d'assassiner? Tu sais, t'es pas matière sur ça. Mais monsieur, je mens pas, c'est vrai, ils ont vraiment essayé de me... mais pourquoi personne ne me croit? Regardez, monsieur, j'ai une vidéo surveillance de la nuit où ils ont essayé de m'assassiner, regardez. Je prends une note. Vous voyez, là, il y a mes parents qui mettent des coups de hache dans mon lit. Heureusement que j'étais pas dans mon lit, ils m'étaient cachés dans le dressing. Je vois, ok, je vois. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il s'occupait de toi pendant que t'es... de... ouais, il y a ma tante qui peut s'occuper de moi, elle m'aime bien. Bah, du coup, appelle-la et attends sur un bouton de tes parents. Ok, mais vous allez arrêter mes parents. De toute façon, là, avec les preuves, on a assez pendant au moins 2 ans. Ok, super, bon, je vais appeler ma... je vais envoyer un message à ma tante et puis j'attends qu'elle vienne me chercher. Merci, monsieur. Chez nous. On a rien innocent. Fait. C'est pas de notre faute de toute façon. Elle a fait un montage, on vous a dit. Pourquoi vous nous croyez pas? Et ma gamine. Mine. Nous.
Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé pour tes parents. Je sais pas ce qu'il leur a pris vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est vrai, c'était vraiment très très bizarre. Mais en tout cas, ta bouffe, elle est vraiment très très bonne, Tati. Merci. Après, tu vas dormir, hein. Ouais, je suis fatiguée. Ça a été vraiment très dur cette semaine. Donc, je vais enfin pouvoir bien dormir. De toute façon, t'es en sécurité avec moi. Ah, merci beaucoup, Tati. Bon, bah du coup, je vais dormir. Bonne nuit, Tati. Bonne nuit. Ah, j'ai fermé les volets, là. Voilà. Bon, je sais que normalement, je devrais être en sécurité chez Tati, mais j'aimerais quand même me rassurer. Je vais remettre ma caméra ici dans le coin. Hop. Et l'installer ici. Voilà, parfait. Parce que bon, même si je sais que Tati, elle est super gentille, mais maintenant, j'ai peur de dormir sans la caméra. Donc, bon, je vais éteindre la lumière. Ah, je vais aller dormir. Je vais bien dormir cette nuit. Normalement, il ne devrait pas y avoir du bruit bizarre. Oh, j'ai dormi, mais c'est bizarre, j'ai quand même passé un truc bizarre là. J'ai une sensation bizarre cette nuit. Bon, j'ai ouvert les volets. Oh, il fait beau aujourd'hui. Bon, j'ai regardé quand même la caméra, mais ça devrait être bon. C'est quoi ça? C'est mes parents? Mais comment c'est? Mais pourquoi ils sont là? Ils sont venus dans ma chambre? Mais non, ça veut dire que s'ils sont venus me voir, ça veut dire que la nuit prochaine ils vont essayer de me tuer.